Il y a quelqu'un ici qui ne vous aime pas. Et elle, c'est Morgane Cadignan. Merci Leïla. Débrouille-toi avec ça. Ouais, c'était t'as vu, long. J'aime bien. Carla Bruni, bonjour, je vous aime pas parce que vous rendez mes conversations super longues et compliquées. Depuis votre album en 2002, à chaque fois que dans une conversation, quelqu'un a le malheur de prononcer « Ah, au fait, les gars, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a toujours, toujours un connard pour répondre que tu m'aimais encore. » Du coup, moi, je réponds « Serait-ce possible alors ?» Et l'autre, il continue « Ah, ah, ah. » Bref, tout prend des heures et j'ai du travail. Et pourtant, vous continuez à me provoquer. Le 9 octobre est sorti votre album qui n'a pas de nom, mais un titre qui se nomme « Quelque chose ». Alors, je sais que vous êtes très vaporeuse, mais va falloir commencer à être un peu précise, parce que quelque chose, quelqu'un, si votre prochain album s'appelle quelque part, moi j'arrête, voilà. Appelez le best-of, les petits pronoms indéfinis de Bruni et tout le monde gagne du temps, parce que c'est plus une discographie finalement, c'est une partie de Cluedo qui promet d'être longue. Bah, écoutez, c'est quelqu'un, quelque part, avec quelque chose, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Après, il faut le reconnaître, moi j'aime bien vos chansons, en général c'est assez doux, tellement doux que j'aimerais en écouter plus, mais le problème c'est que parfois bah, je vous entends pas. Vous devriez faire un duo avec Laurent Voulzy et appeler l'album ASMR. Et puis, je vous aime pas car je me suis plongée dans votre bio qui me rappelle qu'après une belle carrière dans le mannequinat, vous confiez à Marie-Claire, le magazine Pas ma tante, que vous arrêtez le mannequinat à cause de votre âge. Bah écoutez, moi je n'ai jamais commencé à cause de mon physique, chacun ses raisons. Mais c'est vrai que c'est un peu comme les footballeurs, les modèles. Ouais. Vous commencez très jeune, mais les carrières sont très très courtes, comme Paul Mirabel par exemple, ou Marion Maréchal-Le Pen. Même couleur de cheveux, mais Paul fait quand même de meilleures chroniques. J'ai vu un ou deux spectacles de Marion Maréchal, ça manque de vannes, hein. Ou ça n'en manque pas, j'ai pas réussi à décider. C'est ça. Voilà, puis après avoir écrit cette vanne, j'ai passé pas mal de temps ce week-end à faire des photomontages de Paul Mirabel et Marion Maréchal-Le Pen, puis comme ça marchait bien, bah, j'ai continué. Puis du coup, bah, j'ai pas fait mon taf, j'ai un peu arrêté de lire votre biographie par la suite, donc bon, vous m'arrêtez si je me trompe. Allez, donc, en 2008, vous devenez première dame de France en épousant René Coty, c'est ça? Et c'est vrai que c'était étonnant à l'époque d'être first lady et d'exercer un métier, surtout. René Coty, c'est moi qui servais le potage dans la photo. Ça fait 3e République. Vous faites très jeune, hein, pour être la première dame de René Coty. Mais c'était rare à l'époque d'être première dame et d'exercer un métier, surtout un métier d'artiste, surtout chanteuse. Voilà, c'est vrai que Bernadette, avec toutes ses pièces jaunes, elle s'est pas achetée de victoire de la musique, vous si. Puis je sais pas si vous avez écouté le dernier EP de Mélania Trump, c'est de la merde. Même si la reprise de Qui a volé l'orange en hommage à son mari était audacieuse, bon, finalement, le gars n'est pas décédé, je pense que c'est la première déçue. Donc, chanteuse, parolière, top modèle, première dame, là, Carla, va falloir arrêter, se poser, garder du temps pour trouver des titres d'albums. Qu'est-ce que là, franchement, les soirées avec Cluedo, ça devient problématique. Bravo, Morgane. Merci. Quand quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit.